Nouvelle en Haïti, pas petit du tout. D'après ça qui finit passé hier mercredi 12 octobre 2022 dans Tibois, côté Cristal lui-même est arrivé saisi matériel la police nationale d'Haïti, spécifiquement corps Udmoa. Eh bien jodi à la Cristal a bay plus explication mesdames et messieurs. Côté dans déclaration il fait connait c'est sauver li sauver pour ti monsieur dame Udmoyo qui donc li pral faire la police nationale d'Haïti yon faveur pour li capable remettre li matériel. Nous prenons le temps de déclaration Chris là et nous prenons le temps de déclaration Gary Derose qui se porte-parole la police nationale d'Haïti qui t'a essayé de détail sous assaut ça qui fait hier soir 12 octobre 2022. Et je nous ai annoncé déjà et maintenant vidéo ça nous prenons parler de proposition que aider parti politique Claude Joseph a dirigé à lui-même lui fait après que Ariel Henry t'a fait appel ensemble avec aide militaire pour rentrer en Haïti. C'est toute information avec diverses notes qui pourra faire essentiel actualité nous jeudi. Coucou tout le monde, bienvenue sur InfoSec, chaîne information nous avec Fabula Jean-Charles. Encore une fois, c'est un plaisir pour nous rentrer la caillou. À rubrique information ça. Et bien avant nous aller plus loin après temps pour nous dire merci ensemble avec vous-même qui like, qui commente, qui partage et merci ensemble avec vous-même qui pas jamais suspendre inviter vos familles ou vos amis ou venez abonner à InfoSec pour capable toujours gagner bon information. Nous tout la connaissons jeudi à ce jeudi 13 octobre 2022. Avant nous rentrer dans le développement titio, mesdames et messieurs, nous pourrons passer sous deux détails pour vous. Premier, c'est un tweet, on dit un message que Marjorie Michel écrit sous mur, sous Facebook, quand elle te dit c'est ego normalement qui fait ni le même, ni opposition, pas capable de camper en face catastrophe ça qui gagne actuellement là en Haïti. Si on pas quitter ego yo mené yo, nous pas tap gagné yotel désastre. Et ça fait longtemps nous battons de Marjorie Michel, nous battons de André Michel, nous battons de SDP qui gagne Ricard Pierre là la donne. Nous avons connu qui ça a passé, nous avons connu si c'est complot qui a monté, nous avons connu si son pose bayo, mais je viens jodi à la moun sa yo n'ap chache yo ak baleine nous pas ka joine yo. Et puis devant, nous gagnons Radio Référence qui bat une information. D'après ça, congressmen yo écrit, yo fait qu'on est que, yo pap sorti liste quantité de moun, yo pral qu'un seul visa yo parce que yo préféré quitter le confidentiel. Mais, gen un paquet autorité qui gagne visa yo qui pral couper, c'est une façon pour yo capable montrer moun sa yo toute action y a posé, pas capable rete impuni. Mais d'après ça, nous capables là, gagner yon ensemble de moun qui geta fait partie de l'ISATAKU, deux ministres du gouvernement, Dr. Ariel Henry. Donc, deux ministres là, nous yon sous l'IS moun, yon pral cancel visa. Trois au cadre du pouvoir, ça qui veut dire, yon ka dans la primature ou du moins, yon capable ap travail dans le palais national. Deux anciens sénateurs, trois anciens députés, yo ex-magistrat dans l'Ouest, eh bien, non moun sa yo figuré parmi l'autre, yo pral sanctionné, mesdames et messieurs, sous question ça, côté y a financé groupe bandit en Haïti. Et voilà, deux détails, nous t'ai envie passer sous yo vite fait. Et bien, nous allons rentrer directement ensemble avec déclaration Chris là. Sans détour, mesdames et messieurs, entendez Chris là qui a parlé de attaque qui fait hier soir dans zone Martissant 23 dans habitation Leclerc. Entendez déclaration. M'a dit bonjour, bonsoir à toute population haïtienne. Nous allons tout peuple haïtien. Tout le monde connaît une bataille qui a fait en 3e là depuis 1er juin. 2021 à nos jours. Tout le monde connaît tout ça qui passe en la 3e. Les gars viennent dans le village avec Aliyou, envahi le 3e. Même le commissariat dans Matissan 1, les gars crasent. Les gars font cas de Jacques, ils volent, ils font kidnapping. Nous-mêmes, nous toujours connaît tout ça qui grave dans le café. Jodi a, les gars viennent envahir toute zone. Les envahir toute zone, ils attaquent le commissariat.
Nous même nèg Tibois, nous connaissons si nèg yo prend commissariat, yo prend matériel l'état, tout ça qu'a fait avec. Nous même nous choisi algoumé, nous repousser nèg yo et nous même matériel l'état en main nous. Parce que nous pas voulez nèg yo entrer en dans commissariat et puis prend matériel l'état puis elle fait toute visa avec. D'ailleurs tout le monde connaît 12 mars que peuple haïtien pas jamais oublier. Tout le monde connaît commissariat Thomasin qui fait passer là. Tout le monde connaît ça qui est passé dans commissariat Granville. Jodi a si nèg yo t'rivé en dans commissariat Benlan, yo t'a prend tout matériel qui là-dedans, yo t'a pas ba l'état problème, tout peuple haïtien t'a pas mêlé. N'a dit l'état ici. N'a premier tout matériel l'état qui nan men nou. Nou pa el mi l'état, nou pa el mi aucun peuple ici. Et nous pas voler, nous pas kidnapper. N'a dit l'état prend responsabilité à peuple Fontamara, prend responsabilité à peuple Grand Sud là, prend responsabilité dans tout pays là. Jodi a tout moun ka wè pa gon grain policier qui même grafoin. En pile on a dit yo pa policier yo pa ceci pa gon grain policier qui grafoin. N'a dit l'état prend responsabilité. Jodi a moun Fontamara, moun Matisan ka fou pa gè côté pou le kebe moun encore. Y a en pile moun Matisan qui mouri l'autre zone. Y a en pile jeune fille Matisan qui nèg fait cardiaque sous lit. Jodi a l'état jwet nan moun. N'a pris mettre tout matériel yo pour responsabilité. Merci peuple haïtien. Ça c'est déclaration Chris là. Nous tendez déclaration Chris là. Kounya là mesdames et messieurs, en jambé nan déclaration pas de parole la police nationale d'Haïti ya Gary Desrosiers. En tendez ensemble. Et nous touchez pas incident malheureux ça qui produit hier soir de la nuit du 12 au 13 octobre. Et suite à attaque fait sous une attaque surprise sous commissariat de Clerlan qui la dernière était en détachement. On a rappelé que commissariat là depuis l'époque Madame Duvier était premier ministre, côté que bandit pouvait aller et plusieurs matériels NH et panneaux non blindés et côté que l'on trouvait matériel ça qu'on y a dans les bandits. Et la même coupe et tout de suite, incident ça, commandement réuni pour évaluer la situation et chercher mobile et attaque là. Et il y a un centre de décision qui prend instruction passée et pour enquête l'ouvrir pressé pour déterminer les circonstances. Attaque ça, fixer responsabilité, également renforcer la sécurité dans la zone stérile et définir un mécanisme qui est capable de permettre aux populations d'identifier. Et bien des et côté que PNH là pratiquement en état d'alerte pour récupérer matériel PNH là et également blender. Et pour une fois, la sollicité la population pour que, comme d'habitude et comme nous toujours fait, et pour que ensemble capable de lutter contre les gangs armés et contre les eaux au foyer de gangs également récupérer matériel et des armes. Mm-hmm. Donc ça veut dire là, on a parlé de, c'est comment dire, c'est machine ou bien, comment? Comment est-ce que l'on dit blender, on a parlé de camion? Oui, blender, c'est ça qui, justement, c'est ça pour prendre l'habitude, et côté que les policiers qui appellent cette intervention. Ça veut dire ça, machine ça, blender ça, non mais, monsieur, on a parlé là. Justement. Et gagner, on zame tout, on dit qu'il est négave, et que tu as pris tout la base là. Et nous avons tout en circulation, les paniers matériels, et je me dis, pour le moment, on attend les rapports, responsables et postes-là, et pour que nous connaissions des matériels, et également, je me dis, ensemble de ça que nous disons, les dispositions qui prennent au niveau de la Donc, c'est un incident grave, ça, et pas de parole. Et extrêmement grave, et je me dis, et suite à être passé. En fait ça, et c'est certain que dès qu'il y a une évolution, à moins de détails, il n'y a pas de mesure pour informer les populations. Parce que, j'aime que nous dire, les matériels, la police n'a pas simplement policiers,
est là pour capable assurer et protection, assurer sécurité population. Ça veut dire c'est pas matériel à modifier seulement, mais c'est matériel population, parce que c'est ensemble de matériel ça, et c'est un réseau que nous servir pour que nous capables faire des interventions et pour que nous capables tout aller au secours de population hein, et dès que nous avons possibilité ça. Nous gagnons contrôle policier qui était sous place, combien victimes parmi eux? Alors, dès que nous dit enquête là, et pour déterminer et fixer les responsabilités pour nous, pour nos circonstances là, et tout ça, justement, entrer dans le cadre d'enquête là. Ça veut dire que des bagages ne sont pas partageables pour le moment, parce que déjà, il y a une enquête qui est en cours depuis hier soir, et à l'instruction que le commandant chef l'a passé, et Franck LB a été justement qui va là, voilà, mais l'enquête là, bon, et son salaud, l'inspecteur général, la dernière, et d'autres instances qui sont capables de venir et pour capable de mener l'enquête. Est-ce que nous avons de ce qui s'almanaza en pays tombé? Est-ce que nous avons de série de problèmes en pays tombé? Donc, nous avons des explications de Gary Deozier, qui n'a pas même compte tout détail. Donc, nous avons des crises là. Chrisla décide à propre volonté remettre équipement yo. Et c'est yon film d'arrêter pour yon filmer. Yon série de nèg qui gagne gros avis de recherche après yo. Non Chrisla sous toute gros liste internationale, coup national. Mais outre de Chrisla gen soldat, en de bakop la police nationale d'Haïti. C'est ça qui fait que je pas jamais d'accord pour quoi que ce soit arrivé policier. Le atterri dans base Chris là, ou joint uniforme toute unité la police honnête. PNH. Non, petit crème bleu, j'en ai tout dit là. UDMO, SIMO, USGPN, CAT, SWAT. Ou joint toute tenue complète de unité la police nationale d'Haïti. Donc, nous décidons que dans le pays, c'est comme ça qu'on vit. Dans les États-Unis, il y a un seul visa. Bon, il y a un seul visa, Christa, dans qui ça, il y a un déranger. D'ailleurs, Christa n'a pas même qu'à voyager ensemble avec lui. Ça veut dire, bandit ça, yo, je gen visa à utiliser. Et on pas même compte qui quantité fois que bandit ça, yo, déplacé sous bon nom, yo. Nous avons écrit dans le système aéroport, ni national, ni international. Donc, nous avons pas de bandits à ZAM, nous avons pas de bandits à sapate, nous avons pas de bandits à col, à cravate, à veste, nous avons pas de bandits dans le pays qui décide de mettre tête ensemble pour écraser, pour soucer, pour peser. Donc, tu comprends ce qui a passé à là? Bandits a fait alliance ensemble avec la police. Qui j'en te vle pour gon bagay qui te change dans le pays d'Haïti? Expliquez-moi. Qui j'en te vle qui pou te fonctionner dans un pays côté bandi a fait alliance avec la police en chef gang? Ouh, bagay sa ou tellement en pile. Bagay sa ou tellement en pile. Donc, je ne jodi à la, ou gade premier pi gros chef gang pays ya. Premier pi gros barricade pays d'Haïti a rele Ariel Henry. Mais ou genye Brian Nichols, ou genye l'autre qui débarque, qui vient soutenir Ariel Henry dans ça qui a passé là actuellement là. Kounya là ou tande G9 a demandé amnestie. Amnestie pour qui ça? Oh, bon expliquez nous pour qui ça. Yo mande amnestie. Donc, pour yo débloquer Central Varoyan, pour yo débloquer terminal là pour nous joindre gaz. Donc, yon supposé pas gagner pièce mandat après yo, yon supposé pas gagner pièce avis de recherche après yo, et yon supposé promettre yon pas arrêter yo, et surtout yon vle jouen travail si toutefois yon ta déposé zam. Et nan moment n'a pas lié la, pas oublier à sko li même li nan men barbecue, à moins que ce gouvernement qui utilise barbecue pour ta faire à ce qu'on refonctionne. Parce que bagay ça, m'pas ka comprendre ni. Mais qui condition que bandi kounya la ap mette pour yon capable déposer zam, pour yon capable débloquer côté qui bloqué. Et bien, mesdames et messieurs, Claude Joseph, qui c'est ancien ministre affaires étrangères pays d'Haïti avec premier ministre ad intérim, à travers parti aidé, fait déclaration ça. Aidé signifie les engager pour le développement. Eh bien, selon parti aidé, suite ensemble avec résolution
6 octobre 2022, Conseil ministre qui a dirigé par Ariel Henry Côté a autorisé et sollicité aide militaire et acteurs internationaux. Donc, aider lui-même à inviter le peuple haïtien pour être capable d'interroger sous motivation réelle que PM Ariel Henry lui-même li gagné et quoi que demande intervention ça c'est pas un but seulement pour adresser crise humanitaire là qui actuellement la affaire en Haïti mais c'est un prétexte pour premier ministre Ariel Henry capable renforcer à consolider pouvoir afin pour capable rester plus longtemps que possible dans tête gouvernement qui donc premièrement parti et demandé pour peuple haïtien capable caléger. Deuxièmement, li invite peuple là pour prendre note de sa gouvernement Ariel Henry lui-même li a fait côté li plié devant toute manœuvre intéressée à pression inadmissible de président dominicain Luis Abinader. En connaît pas gagné Claude Joseph sans président Luis Abinader. Nous tout connait ça déjà. Nous toutes là qu'on ça déjà l'a attiré attention peuple haïtien à communauté internationale là sur le fait que gouvernement cap dirigé par Ariel Henry pas joui de pièces légitimité pour engager pays à l'autre côté international sous projet qui capable aider pays d'Haïti. N'est capable continuer li pour nous. Sincèrement, n'est capable continuer li pour nous, mais les gars qui quantité hypocrisie qui gagne dans notre ça que parti politique et des sotia, m'pap capable. Parce que oui, Ariel Henry t'a essayé consolider pouvoir et c'est ça l'a fait. Mais est-ce que Claude Joseph blié que lui-même tout, il t'a essayé consolider pouvoir immédiatement après assassinat Jovenel Moïse là, quand il était déclaré état de siège dans pays et mandé communauté internationale là voyer aide militaire. Sauf façon pour te consolider des pouvoirs jusqu'à ce que l'il réalise que pouvoir par la tête fini depuis la Jovenel Moïse te nommé Ariel Henry. Donc c'est ça qui a mangé Claude Joseph pas en dedans. Ok, il va comprendre que pouvoir Ariel Henry a pas de pièce légitimité. Mais le Claude Joseph te ministre affaires étrangères, il oublie que c'est le gouvernement Ariel Henry a été, il pas de pièce légitimité en tant que ministre affaires étrangères. Et comme toujours, il gagne un dent contre République Dominicaine, mesdames et messieurs, que selon lui-même, qui a profité de tout ça qui a passé actuellement là en dans pays d'Haïti, puis est capable de constituer capital politique. Oui, me comprendre initiative parti aider après. Li vraiment important pour nous jeune proposition sous proposition dans question sortie de crise ça c'est ça que fait n'a invité au suivre un reportage qui fait sous question avis qui baille sous réaction qui fait dans question militaire ensemble avec syndicat yo. Entendez avec. Décision ça gouvernement haïtien adopté pour mandé une force étrangère dans lutte la menée contre insécurité à Paboïsit semblait indigné policier yo. Selon sa porte-parole syndicat national police haïtien Molan Chesnel fait connaître. Ça cap dégagé yo, li un petit gens affaibli l'esprit policier là regarder qui ensemble font la consenti dans pays tant que difficile tant qu'on a vivre les journées quotidia pour essayer bailler service à population pour essayer changer ça et puis un bon matin pour tant décider des dirigeants des responsables qui dit la police n'est pas capable de faire appel à l'autre force. Nous, dans le niveau de Sinaboa ou bien dans le niveau de la police, nous ne sommes pas opposés à l'autre force. Mais sauf, ça nous gagne comme orgueil nous-mêmes, c'est parce que les dirigeants veulent faire comprendre que c'est la police qui n'est pas capable. Ce n'est pas nous qui n'est pas capable. C'est facilité ou pas ben nous. C'est liberté ou pas ben nous. C'est mes politiques là qui entrent trop dans la police. C'est méthode qui a coaché la police. Ils n'ont pas jamais nos libertés pour nous traquer vraiment dire et mettre au côté pour nous mettre. Investir ou pas investir dans la police pour nous faire job nous comme ça. Maintenant, je dis alors aux police, vous dites vous recommandez des matériels pour les matériels, ça va jamais que vous nous chasse pour nous travailler avec vous, nous aider nous-mêmes. Et puis, vous êtes consorti sur l'autre force pour gagner. Ça, c'est normal pour affaiblir moral policier. Syndicaliste a souhaité autorité réviser décision pendant les faire quelques propositions. Si l'État fait recommandation aux organes qui vous venir, qui vous travaillez des conseils à la police en matière de formation et pour épirer la police, si il fait recommandation pour bal on le matériel tant qu'on est toujours à dire de commander là pour faciliter police à faire job avec confiance résultat n'a cherché à li pas longtemps venir yon éventuelle protestation policière capable déclencher sur territoire national là si condition la vie pas améliorée si je ne dis là si toutefois société a arrêté j'ai arrêté là
si la vie chère d'arrêter, j'en ai été là, chère était de la vie, hein. Si cousse machine d'arrêter, j'en ai là, si prix gaz là, d'arrêter, j'en ai roulé, j'en ai roulé, hein. Laisse ça, l'État va l'objet gain comme prérogatif pour le réviser, cadre des demi policiers. Il va l'objet réviser, chef policier, tout, parce que ça l'a prendre que vous dire, si pour la vie arrêter comme ça, on ne peut pas vivre avec. Si il y a les gens là, il y a pas besoin, ça va pas faire un besoin de bonnes nouvelles. Là, on va faire des impacts sur l'économie, nous, qui va le permettre, nous, dans la situation, quand nous ne pouvons pas fonctionner, nous ne pouvons pas travailler. Normalement, il est sans parler des mouvements policiers qui vont l'obliger de prendre surface encore. Ce que nous ne pouvons pas souhaiter. Pendant ce temps, la police nationale pays a en pile accusation sous dol, comme quoi l'État commet exaction sous manifestants pendant les dernières journées de manifestation qui déroulaient contre le gouvernement en place là. Depuis Port-au-Prince, moi, c'est Massia Douvimé pour la Voix de l'Amérique. Voilà, nous sommes tendés. Donc, ce qui a passé dans ce moment-là, c'est nous tous qui concernés. Ce n'est pas un groupe de monde. Il y a un ensemble de monde dans le pays qui comprennent que ce qui a passé actuellement là, il n'y a pas à regarder. Ils ont préféré plier, ils ont préféré prendre balle dans le fond, ils ont préféré boucher les nez pour boire de l'eau sentie. Nous ne pouvons pas continuer à boucher les nez pour nous boire de l'eau sentie. Parce que la situation que nous vivons actuellement, demande pour tout petit pays d'Haïti capable de prendre main. République dominicaine qui a acheté matériel pour surveiller frontière parce que il décide de fermer pour quelque temps. Il pas recevoir pièce haïtienne qui a couru pour que soit bandit en Haïti ou du moins il pas recevoir personne haïtienne qui a compris ne pas venir installer en République dominicaine. Situation actuelle là mandé pour tout petit pays d'Haïti mettez tête ensemble pour capable reconstituer situation afin pour nous suspendre quitter blanc fouiller pied toute longueur dans causer nous. Et cela nous débout avec information de vous jeudi. Merci d'être que vous like, commentez, partagez et merci d'être que vous invitez en famille ou en amis. Venez abonner à Info 5 pour être capable toujours gagner bonne information. Nous vous rendez-vous pour une prochaine sortie rubrique. Restez bénis et protégez-vous. Bye bye, à la prochaine.